Alors en fait, c'est un nouveau dispositif qui, jusqu'à présent, a beaucoup été utilisé et a fait son efficacité en Suisse et en Autriche. On l'utilise principalement quand on rencontre et qu'on a des problèmes de reptation. Donc ça, la reptation, c'est quand le manteau neigeux se déchire sur toute sa hauteur et qui crée donc des problèmes au niveau du danger d'avalanche et surtout en matière de gestion d'ouverture et de fermeture des pistes. L'objectif, c'est d'augmenter la rugosité du sol sur ces parties concernées, de manière à tenter de limiter le glissement de l'épaisseur du manteau neigeux et de ne plus rencontrer ce type de problème. Alors, contrairement aux autres types d'avalanches, il est vrai que les reptations, on a beaucoup de mal à les comprendre et à les maîtriser. Et l'action de l'explosif, elle n'a pas ou peu d'effet. Donc nous, on essaie dans la mesure du possible et quand on peut les suivre de près sur le terrain, aller directement sur place, de les suivre, d'en voir l'évolution en plaçant des témoins. Tantôt, quand il fait chaud, on pourrait croire que ça veuille partir et rien ne se produit. Et en revanche, on a beaucoup d'événements qui partent par des températures fortement négatives. Donc beaucoup de difficultés pour les maîtriser. Et nous, pour arriver à être au plus près de la réalité pour la décision d'ouvrir ou de fermer ces pistes.